2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy, bah. 2 minutes, 2 minutes, ils sont dit des choses dans une salle de conférence de société. Bon, messieurs, dames, j'ai d'abord besoin de votre avis. Comme prochain directeur de production, nous avons pressenti l'ancien président des produits T-Bristol. Il s'était fait surprendre dans une maison de débauche, ça a fait les journaux. Ouais. Mais est-ce que... Un président qui se fait prendre dans une maison de débauche... Mais ça remonte à loin? Non, ça remonte son pantalon. Non, je veux dire, ça fait longtemps. Ouais, mais les gens s'en souviennent, à cause du type de prostitution. Quel type? Il se faisait infliger de l'humiliation. Quoi, il se faisait humilier? Ouais, c'est le courant. Tu parles. Ça coûte une fortune. C'est ridicule, payer pour se faire humilier. Bah, ce sont des prostituées spécialistes, et c'est plus cher. T'as qu'à enfiler un t-shirt de Patrick Bruel et aller te balader sur les Champs-Élysées. Ouais, mais ces gens-là. Il faudra songer à quelqu'un d'autre. Ah, il paraît que nos nouvelles camionnettes de livraison sont pas très fiables. Ah, ouais, c'est vrai, ouais, j'ai entendu. Je téléphone tout de suite au fabricant. Ouais, ouais, ils sont pas très fiables, en effet. Les voitures pas très fiables. Bonjour, mademoiselle, j'aimerais parler. Excusez-moi, avec qui tu faisais affaire déjà? Ah, c'était monsieur. Ah bon, monsieur. C'était monsieur. Monsieur Claquement de Doigts, s'il vous plaît. Oh, il est absent, je peux vous aider? C'est pour une plainte. Alors, je peux vous passer monsieur Grincement dedans? Non, faites le message à monsieur de Doigts que ces voitures, c'est de la merde. C'est de la part de? Non, de la merde. Et la merde qui? Bon, et Alphonse qui est encore en retard. Il est toujours en retard. Mais c'est parce qu'il est toujours en train de repeindre quelque chose. Hein? Il repeint sa cuisine et là, il arrive. Oh, désolé, c'est la cuisine, c'était plus long que je pensais. Ouais. Là, il repeint son salon. Il dit, désolé, c'est le salon, c'était plus long que je pensais. Bon, Alphonse. Désolé, c'est le périph, c'était plus long que je pensais. Mais quelle idée de repeindre le périph? C'est une réunion d'urgence, qu'est-ce qui se passe? Mais ça va très mal, Alphonse. Mais pourquoi? Bah, le diagramme est sur le mur, regarde. Bah, on a qu'à le mettre ailleurs. Non, tu comprends pas là. On sait que tu seras pas d'accord, Alphonse, mais on pense de plus en plus sérieusement à fusionner. Oh merde. Mais tu sais très bien que quoi que tu dises, Michel va dire exactement le contraire, pas vrai, Michel? Ouais. Non, écoutez. Oui, n'écoutez pas. Je trouve... Je perds... Que c'est complètement stupide. Que c'est partiellement génial. Il n'en est pas question. Il en est réponse. Si vous faites ça, je quitte la société. Si vous faites pas ça, je joins la solitude. Compris? Bande. Bande. Incompris? Des bandes, des bandes. Bon, du calme, Alphonse, tu ne t'es jamais accordé avec nous, c'est toujours la même chanson. Ouais, mais je peux te la rechanter, la chanson, si tu veux, et tu vas voir, cette fois-ci, je vais m'accorder. Oh, Alphonse. C'est pas possible. Alphonse, t'es vraiment nul. Écoute, réfléchissons plutôt ensemble, d'accord? Ouais, bon. Ça vaudra mieux, hein. Essayez de penser à un directeur de production, là-bas. Ouais. Michel, hein? Tu veux bien cesser de taper avec ton crayon en chantant, ça m'énerve, c'est incroyable. Ok. Et tu veux bien aller dire à Dubœuf dans la salle de la comptabilité que je veux le voir après? Bon, j'y vais. Plutôt que chanter et taper stupidement avec ton crayon. Bon, ça va. T'es vraiment le seul con que je connais qui fait. Dubœuf! Ouais! Y'a le directeur qui veut te voir! Ok! 2 minutes, les 2 minutes du Bœuf. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy, bah. 2 minutes. Dans la musique jazz chantée, il existe une technique qui consiste à ne chanter que des phonèmes plutôt que de véritables paroles. On appelle ça le scat. Quand je suis entré dans ta chambre, tu avais ton petit déshabillé ombre. Et tu étais étendu. Avec ce trou du cul, je m'en déclime à tout faire du tapot du caca, le tapot du tapot du tapot du Il faut dire que cette technique peut aider un chanteur à se tirer d'affaire si par exemple il oublie les paroles de sa chanson. Merci, merci. Alors je vous chante ma petite préférée. Au clair de la lune, mon ami Viviero. Et le scat peut nous tirer d'affaire dans différentes situations. Alors comme ça, tu bossais hier soir? Hein? Ouais, ouais, beaucoup de travail. Alors qu'est-ce que ce slip fait dans ta voiture? Il est pas à moi. C'est-à-dire, je sais pas moi, Alors, tu m'expliques? Fais-moi descendre ici. Et ça peut même nous aider à nous tirer d'affaire dans certains métiers. Monsieur le ministre, ça ne répond pas à ma question. Un chanteur internationalement reconnu pour le jazz scat, Eddie Jefferson. Le scat est plus présent aux États-Unis que partout ailleurs. Ben vas-y, avance, hein? Le feu est vert. Oh merde, c'est vrai. T'attends qu'on klaxonne? Putain, c'est Eddie Jefferson. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy, bah. 2 minutes, 2 minutes, buddy, bah. 2 minutes, 2 minutes, allez, les 2 minutes du peuple.
Dans la musique jazz chantée, il existe une technique qui consiste à ne chanter que des phonèmes plutôt que de véritables paroles. On appelle ça le scat. Quand je suis entré dans ta chambre, tu avais ton petit déshabillé ombre, je m'en gagnais de tout plateau, je mettais quatre les gloglas. Et tu étais étendu, je m'en dis bon, je m'en dis bon, je m'en dis bon, avec ce trou du cul, je m'en dis bon, je m'en dis bon, je m'en dis bon, je m'en dis bon, je Il faut dire que cette technique peut aider un chanteur à se tirer d'affaire si, par exemple, il oublie les paroles de sa chanson. Merci, merci. Alors je vous chante ma petite préférée. Au clair de la lune, mon ami Viviero, prête de... Et le scat peut nous tirer d'affaire dans différentes situations. Alors comme ça, tu bossais hier soir? Hein? Ouais, beaucoup de travail. Alors qu'est-ce que ce slip fait dans ta voiture? Il est pas à moi. C'est-à-dire, je sais pas moi. Alors, tu m'expliques? Fais-moi descendre ici. Et ça peut même nous aider à nous tirer d'affaire dans certains métiers. Monsieur le ministre, ça ne répond pas à ma question. Un chanteur internationalement reconnu pour le jazz scat, Eddie Jefferson. Le scat est plus présent aux États-Unis que partout ailleurs. Ben vas-y, avance, hein? Le feu est vert. Oh merde, c'est vrai. T'attends qu'on klaxonne? Putain, c'est Eddie Jefferson. Deux minutes, les deux minutes du peuple. Oh, on y va. Ça va, Paul? T'as passé un bon week-end? Moi, c'est pareil. Delta Québec Uniforme Oscar 718, tour de contrôle, s'il vous plaît. Delta Québec Uniforme Oscar 718, ici tour de contrôle. Bonjour, monsieur contrôle. Vous pouvez m'appeler tour 2. J'ai pas de chance, mon train d'atterrissage refuse de sortir. Allons bon. Et l'agent de bord? Elle refuse de sortir aussi. Comme c'est triste, vous allez sortir tout seul ce soir. J'en ai marre de sortir seul, moi. Allez. On s'en blague, le train d'atterrissage, il veut vraiment pas sortir. Votre appareil? DC-8. Bon, attention, on a des gens en DC-9 qui peuvent pas atterrir. Pas DC-9, DC-8. C'est pas des gens en DC-9, c'est des gens en DC-8. Et bientôt, ce seront des gens décédés. Dites pas ces putains de conneries! Ah, tout va bien, le train d'atterrissage, il vient de sortir. La piste numéro 3. Oui, ça va, je connais le chemin. Mais quel con. Pinocchio, tagada, soin deux, tour de contrôle. Pinocchio, tagada, soin 272, ici tour de contrôle. Demandons l'autorisation d'atterrir, s'il vous plaît. Quelle est votre position? Bah là, on vient de faire la 69 et puis... Ouais, ça va, Air France? Ouais. Et qui est avec vous, là? C'est Rachel. Dites donc, elle a l'air d'avoir tout un buste. Qui dites-vous? Quel est votre appareil? Airbus. J'aurais dû m'en douter. Numéro 3, 4 minutes. Doudlidou, Fifi Tatanono, QQ21, forces aériennes françaises, CF15, tour de contrôle. Doudlidou, Fifi Tatanono, QQ21, forces aériennes françaises, CF15, ici tour de contrôle. Je suis pourchassé par un appareil que je n'ai pas pu identifier, je vais survoler votre aéroport. Bien reçu, Doudlidou. Qu'y a-t-il? Je suis touché! Moi aussi, je suis touché de vous avoir parlé, Roger. Pinocchio, Delta, Pita, Poté, Pipi, Toto, Bibi, Capoué, 12, 8, 8, 4, 4, 2, 2, Pipita, Pouille, Chpoul, et Vekata, Papato, Coco, Tepa, Kato, tour de contrôle, s'il vous plaît. Pinocchio, Delta, Pita, Poté, Pipi, Toto, Bibi, Capoué, 12, 8, 8, 8, 4, 4, 2, Capouille, Chpoul, je vous écoute. Défectuosité sur mon appareil, je crois que je vais m'écraser. Et c'est quoi votre appareil? Tupolev. Oh, pas facile d'avoir des pièces pour ça. Je sais, ils en fabriquent plus. Vous allez tout de même pas vous écraser sur l'aéroport? Vous en avez des pièces pour les Tupolev à votre aéroport? Non, en fait, j'en ai jamais vu. Eh bien, regardez par la fenêtre, vous allez en voir tout un tas. Mesure d'urgence, on détourne tous les atterrissages sur Orly. Ah, mais c'est pas possible! Si, monsieur, on n'a pas le choix. Mais qu'est-ce que je fais avec le vol en provenance de Tunisie? Tu n'hésites pas un instant et tu l'envoies à Orly. Et celui de Suissère? Suissère a rien d'atterrir ici, il va à Orly. Et on a un vol allemand. Voilà le moment de l'envoyer à Orly. Et un autre de Transcontinental Asiatic Airlines Unlimited. Eh bien, Transcontinental. Ah, tu l'as bien baisé avec tes calembours. Je vais lui parler à celui-là. Orly. Y a des dégâts? Beaucoup de dégâts. Beaucoup de dégâts. Pas mal de dégâts. Oh, vas-y, y a des dégâts. Un dégât. Fukudo là. Roger. Mais putain, tu parles japonais? Mais évidemment, tu me prends pour une nouille. Uniform diddly diddle 39, American Airlines calling control. What's happening right now, please? Oui, yes, hello. My teller is rich. Et tu peux même pas parler l'anglais? Oh, tu voudrais peut-être que je danse la claquette avec ça? Ah, mes condoléances, vieux. Merci, Emmanuel. Il avait encore du temps devant lui. Ça arrive si vite. Courage. Merci, au revoir. Au revoir. C'était
c'était votre frère. Oui. C'était votre frère, c'est ça. C'était mon Mes frère. Condoléances. Merci, madame. Vous êtes madame. Au revoir. Et qui c'est celle-là? Eh, mon garçon. Oh, monsieur Dupré, c'est gentil d'être là. Évidemment, on sait pas trop quoi dire dans des circonstances pareilles. Ah, mais c'est votre présence. Enfin, on sait pas trop quoi dire dans des circonstances pareilles. Mais c'est votre présence qui est appréciée. On est content que vous soyez là. On sait pas trop quoi dire dans des circonstances pareilles. Mais c'est votre présence. J'ai acheté une petite carte là. Comme c'est gentil. Vous pouvez la lire. Vous savez, on ne sait pas trop quoi dire dans des circonstances pareilles. Merci beaucoup, monsieur Dupré. Oh, c'est rien du tout, parce que vous savez. Salut, mon vieux. Rémi. Je sais pas trop quoi Écoute, dire. Écoute, je suis vraiment désolé. Hein. C'est gentil d'être là. Enfin, je connaissais pas très bien ton frère, mais tout ce que je sais, c'est qu'il empaillait des animaux et qu'il était très sociable, quoi. Bon, là, je crois que tu fais erreur. Il était chauffeur de taxi et il vivait en ermite. Ben, c'est ce que je dis. Il était taxidermite. Taxidermiste. Non, écoute, c'est pas la peine d'essayer de récupérer ta gaffe. Je suis très content que tu sois là, tu sais. Bah, courage, vieux. Merci. Au fait, est-ce qu'il sera enterré au cimetière ou. Non, brûlé au crématorium. Ah bon. Ça sera mieux ainsi. Hein? Ça sera mieux ainsi. Ah, ça sera mieux ainsi. Hein. C'est ça, oui. Ça sera mieux incinéré. Ok, au revoir. Salut. C'est mon petit poussin qui est là. Salut Jean-Charles. Oh, si tu savais comment je suis triste. Merci, mon vieux. Et en plus, j'arrive en retard, je te dis pas. C'est pas grave. J'ai téléphoné à la mauvaise entreprise funéraire. Allons bon. Alors, j'ai funéraire de numéro. Hein? J'ai funéraire de numéro. Funéraire. Funéraire. C'est un calembour, merde. Jean-Charles, laisse-moi te présenter l'épouse de mon défunt frère, Christine. Oh, madame, vous savez, je suis complètement, je vous dis pas. Je vous remercie. Mais comment il est mort, merde? Comment il est mort, merde? Jean-Charles, ma belle-sœur est très éprouvée. Non, non, laisse, ça va, tu sais, c'est terminé les sanglots, là. T'en es sûr? En fait, on était en train de manger. C'est pas vrai. Et puis, soudainement, il s'est dit... Elle s'en remettra pas, la pauvre. Eh ben, mon vieux, je te laisse parler à tes amis. Je te dis pas. Merci. Jeune homme. Ah, mon oncle Alfred, bonjour. C'était un chic type. Oui, c'est un chic type. Je le connaissais bien. Oui, je sais, et puis vous avez... C'est les meilleurs qui partent les premiers. Toujours, oui, toujours. C'était vraiment... C'est dommage. Vous avez acheté votre liste à l'entrée. On dirait que la vie est si fragile. Ouais, c'est si court. Et c'est... L'autre page, je crois. C'est un chic type. Non, vous l'avez dit, celle-là. C'est les meilleurs qui partent les premiers. Vous revenez à la première page. Là. Attends, c'est pas cette feuille-là. Non, c'est ce que je vous dis. Enfin, ah oui, courage. C'est ça, il en reste une maintenant. Et mes condoléances. Et vous y êtes. Je vous remercie beaucoup, mon j'ai oncle. J'ai tout dit, là. Et vous avez tout dit, tout est bien. Okay. Alors, voilà. S'il vous plaît, tous... Alors, j'ai funéraire de numéro. Avant la bénédiction... Funéraire de numéro. Il nous ferait plaisir de laisser un membre de la famille, Michel, l'artiste de la famille, en fait, nous dire un poème pour le défunt. Merci, monsieur le révérend, monsieur le curé. Il nous donnait tout, même des ailes. Mais pris les siennes pour joindre le ciel. J'en ai pas d'autres, vraiment. À moins que je vous lise un petit quelque chose que j'avais écrit il y a quelques semaines. Si tu pètes à Toulon, tu stous ton pantalon. Si tu rotes à Dijon, t'auras ton addition. Voici un autre épisode de notre série policière. Alors, Fenef ! Bonjour, inspecteur. Quel bordel dans cet appart ! C'est terrible. Paraît que le type a des problèmes d'ordre psychologique. Je dirais plutôt des problèmes d'ordre tout court. Mais dites donc, Fresh Ticket. Oui ? Vous avez votre permis de port d'armes ? J'ai mon permis d'armes, mais j'ai pas mon permis de port. Eh ben alors, je suis désolé, mais faut laisser ce cochon dehors. Bon, d'accord. T'as compris, Arnold ? Brett and Fiddle Diddle ! Oui, inspecteur ? Salut. Salut, Fresh Ticket. Poule mouillée, va. Oh, arrête. Hein. tiens. Dites donc, pourquoi vous l'emmerdez tout le temps? Vous avez vu ça? Une petite pêche, il pleurniche comme un bébé. Et vous faites quoi quand vous prenez une pêche? Vous chantez du Bruel? Oh, ta gueule, inspecteur de mes deux. Qu'est-ce que vous avez dit? J'ai dit, votre bouche, inspecteur de mes deux testicules. Tu y as le droit! Inspecteur! Qu'y a-t-il, Slim and Bucket? Quels ordres dois-je transmettre à mes hommes? Pour trouver l'assassin, il faudrait une escouade spéciale. C'est qu'une escouade spéciale, ça va chercher dans les 500 000 francs. Oui, je sais, putain de budget. Une filature satellite, y'en est pas question non plus? Une filature satellite, ça va chercher dans les 2 millions. Bon, bah faudra utiliser les chiens alors. C'est que les chiens, ça va chercher. Quoi, on n'a pas les moyens de se payer des chiens! Ça va chercher dans. Écoute, vieux, tu veux chanter du Bruel? Ça va chercher vos pantoufles et votre journal. Les infos! Oh merde! Installez-vous les gars! Là, la télé! Éclairage! On vient à peine d'enlever le cadavre! J'ai mon accréditation, inspecteur. Faites chier les gens de la télé, hein. Vous posez quelques questions en direct. Tout le monde est prêt? Ouais, ça roule. Ouais. Bonsoir et bienvenue à Criminels en direct. Bonsoir, inspecteur. Bonsoir. Évidemment, c'est un crime horrible. Avez-vous une idée de qui a pu... Il est trop tôt pour en parler, bien sûr, mais on a l'intention de rateler le secteur. Il faut pas le laisser nous semer, il faut pousser les recherches à bout. Oh là, rateler, semer, pousser, dis donc, on voit que votre père était cultivateur. Et merde. Ça va, Pierre-Louis? Est-ce qu'il y a des vents que vous suspectez? Eh bien, je vous dirais que... Où allez-vous? Il y a bien sûr Toto l'éventreur, qui est sérieusement mis en cause. Monsieur l'inspecteur, je... Thierry le fripon. Excusez-moi. Ernest l'étrangleur. Pourquoi êtes-vous derrière la caméra? Parce que ce sont des choses que je n'ai pas le droit de divulguer devant la caméra. Deux minutes, envoyé à... Bah,
Qu'est-ce qui se passe là? On peut plus avoir accès au réseau là. Ouais, ça m'est arrivé ce matin. Putain, c'est écrit votre système ne peut pas fournir votre échange de fichiers, mais sûrement. Bon, je vais appeler le technicien merde. Technicien merde. Écoute, on dirait que mon ordinateur s'est planté là, c'est écrit. Votre système ne peut pas fournir un échange de fichiers, mais sûrement. Exactement. Sur votre aile, il y a un type qui a le terminal numéro 8. Fabrice? Je crois qu'il s'amuse. Oh merde. Ok. Ciao. Et comment ça se fait qu'on peut pas se brancher au réseau? Ça viendrait du terminal de Fabrice. Encore? Eh oui, je me... Tout ce qui arrive de bizarre dans ce bureau depuis deux semaines, ça vient de Fabrice. Ouais, je sais. Bon, alors y a pas un type de virus, là? Non, non. Bon, mais y aura un type de viré. Le patron... Qui c'est qui a déchiré le contrat des entreprises Guertin? C'est Fabrice. Qui c'est qui a mis du jus de canneberge dans mon imprimante? C'est Fabrice. Qui a mis le clavier de mon ordinateur dans la corbeille? C'est Fabrice. Qui a mis les clés de ma voiture dans le bustier de Mireille? C'est Fabrice. Charles. C'est quoi? Un peu par là. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu le connais bien, toi, Fabrice. Ouais, un peu, quand même. Il y a quelque chose qui va pas chez lui, sa famille, je sais pas. Pas que je sache. Il y aurait des problèmes financiers ou... Bah, pas que je sache. Non. Il y a déjà eu des comportements bizarres dans le passé. Pas que je sache. Il t'a déjà joué des tours à toi? Pas que je sache. Excusez-moi, c'est mon portable. Allô? Pierre? Oui? Non? Hier? Pas que je sache. Il a mis une gomme à effacer dans mon café. Allons bon. Non, pas que je sache. Je voudrais vraiment pas qu'il sache que j'ai parlé contre lui. Bon, t'inquiète pas. Pas que je sache. Et qu'est-ce que tu fais? Je fais seulement ma petite enquête. Mais tu lui dis pas que j'ai parlé, hein? Mais non. Pas que je sache. Non. Fabrice Ballarger. Fabrice, Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que c'est possible que t'aies mis une gomme à effacer dans le café d'Étienne? Qui t'a dit ça? Secret professionnel. Allez vous faire foutre. Bon. Non, pas que je sache. Au revoir. Charles. Oui. Fabrice a-t-il un dossier médical? Non, pas que je sache. Tu le vois un psychologue? Pas que je sache. Il a déjà consulté? Pas que je sache. Bon, dis, tu vas m'en faire longtemps des pas que je sache. Ah non, on est plein de cul. D'accord, que je sache. La société a un programme spécial dans le cas de comportements anormaux. Et vous croyez qu'on en est à avoir recours à ça? Attention, le voilà. Pourtant, il n'a pas l'air si anormal que ça. Regardez, il va aux toilettes. Il n'y a rien d'anormal à aller aux toilettes. Bon, ça s'appelle comment ce programme spécial? Je sais pas, je sais qu'il y a un motivateur. Bah quoi? Rien. Bon, j'appelle le motivateur. Qu'est-ce qu'il y a? Quel service? Je suis là, les gars. Bonjour. Il faut pas se laisser abattre. Non. C'est pas si grave que ça. Ouais. On est fort. Ouais. Personne nous arrête. Non. On tape dans les mains. Ouais. Alors où est le sujet? Dans le bureau, là. M'en occupe, mes gaillards. Je me demande si c'est vraiment le motivateur dont Fabrice a besoin. Ouais, peut-être pas. Et alors? Ouais. Il va mieux? Bon, je m'en vais lui parler, moi, c'est Fabrice. Patron, on va pas s'en sortir comme ça. Ah, merde. Et alors? Tout est réglé. Vous êtes sûr? Oui. Mais est-ce que... Dans une agence de pub, il n'est pas une bonne chose de laisser le client concevoir sa pub lui-même. Merde! Qu'est-ce qu'il y a, Jean-Louis? Tu sais la pub de reconnaissance de Brouchetti? Ouais. Tiens, regarde, ça c'est la planche originale. Merci à notre clientèle pour avoir su s'épanouir. Le directeur des vêtements Brouchetti, mais c'est bien. Ouais, mais regarde, ça a été mal cadré dans le journal. Merci à notre cliente pour avoir su c'est le directeur. Je vais les tuer, ces enfoirés! Je m'en occupe, Jean-Louis. Bon Dieu, con, con. Agence de pub Le Petit Mensonge Blanc. Oui, bonjour, j'ai une nouvelle entreprise. Oui, monsieur Georges Baratin, pour vous servir, vous êtes monsieur? Je peux pas vous le dire pour l'instant, je suis un ex-criminel. Oh là. J'étais tueur à gages. Et... J'ai tué à gages pas mal de gens. Mais vous ne tuez à gages plus? Non, je suis repentant. Ah, youpi. Je ne fais plus de contrats. Mais si on fait le total de tous vos contrats, ça fait combien de morts? Bah, ils sont tous morts. Agigu. J'étais un bon tireur, vous savez. Mais ça vous fait pas des remords? Non, seulement des morts. De... D'ailleurs, on ne peut pas remourir. Les remords, ça n'existe pas. Bon, d'accord. Et de quelle entreprise s'agit-il? Je fabrique des vêtements pour bébés. Hein? Un tueur à gages qui fabrique des vêtements je pour ne suis plus tueur à gages. Bien sûr, on n'est plus du tout clair, okay. Je voulais vous consulter avant de partir en vacances. Eh ben, y a pas à dire, vous allez à l'autre extrême. Hein. Non, je vais au Mexique. Mais vous en avez déjà fait du vêtement pour enfants? Ça a été mon passe-temps durant toute ma vie criminelle. Et vous avez fait de la prison? Non, ça, vous savez, la construction, c'est pas mon truc. Ah non, mais j'ai toujours eu un faible pour la petite couture. D'accord. Ça fait changement des petites coupures. Je comprends. Alors j'ai réfléchi, je me suis dit, je tue ou je fais des vêtements pour enfants. Ouais. Il s'agit de conjuguer tout ça à la base. Je tue. Je tue il, nous vous il. Voilà. Si on conjugue à la base. Bon, mais alors je vous écoute. Il est évident que la clientèle cible. Attention, je m'y connais en clientèle cible. Ce sont les couples qui attendent un enfant. Vous m'étonnez là. Mais il faut que je sache, vous êtes un criminel repentant ou repenti? Quelle est la différence entre repentant et repenti? C'est que si vous êtes repentant, vous n'êtes pas complètement repenti. Ah bon? Alors on pourrait axer la pub sur ce que vous êtes repentant, mais pas complètement repenti. Ouais, je trouve ça tentant, mais pas complètement tenti. Ok. On pourrait pas faire quelque chose de sexy? Pas pour des fringues de môme, non. Dommage, ça aurait été bandant. Ouais. Je suis plus complètement bandit. Mais si vous êtes repentant, on pourrait avoir un concept de roulement de tambour, là, vous savez. Hein? Repentant plan. Allô? Attention, t'es en train de te transformer en contrat. Et vous dites que vous êtes repenti? Mais vous dites que je suis repentant. Bon, écoutez, comment ça s'appelle vos vêtements pour bébé? Baby class. Je pense à un concept, je vous rappelle. D'accord. Baby class, une série de vêtements pour bébés entièrement conçus par un ex-criminel. Baby class.
Allô? Dites-moi je vous pensez de celle-là. Baby Class, une série de vêtements pour bébé entièrement conçu par un ex-criminel. Baby Class. J'aime pas vraiment le texte. Ah bon? Mais par contre, j'aime bien les... Marguerite! Quoi? Ça annonce quoi la pub avec les bébés? J'ai jamais su! Les crottes de chien, à Paris y'a toute l'histoire des monuments, mais y'a aussi les crottes de chien, qui vous attendent quand vous tournez au coin. Ouais, mon frère Yo-Yo, ouais, j'ai une paire de Converse toute neuve, ouais, j'ai une paire de Converse toute neuve. Y'a pas question de marcher dans la merde, car c'est inélogeable dans une semelle de Converse. Ouais, t'arrêtes là. Oh, j'ai marché dans la merde avec mes Converse. Bah regarde où tu marches quand tu converses. À Paris dans le 8ème, une chaude journée d'été, on regarde les belles demoiselles marcher et on leur crie, hé hey, madame, foutez-moi la paix. Vous c'est pas mal quand c'est celle d'un chihuahua, mais quand t'as celle d'un danois. Vous êtes-vous fait déjà engueuler pour avoir laissé votre chien se soulager? Eh, hey, dites donc, vous vous prenez pour qui? C'est ça, et lui c'est Kiki. Bien Kiki, viens. Imaginez si les lois municipales étaient plus sévères. Vas-y Kiki, vite. Oh merde. Les autorités devaient se forcer pour y voir. Les petits chiens se forcent beaucoup plus que sur le trottoir. Y'a toujours un petit tas qui guette vos chaussures coquettes, peu importe la classe sociale laquelle vous êtes. Quelle superbe journée. Attention monsieur Smith, vous allez marcher dans la foire. Vous allez marcher dans la foire. Je vous dis vous allez marcher dans la... Ah merci, j'ai chopé belle. Oh le poteau, vous êtes mal, on fera pour le poteau. Le poteau. Un vieux règlement dit qu'on devrait mettre ça dans un petit sac. Oui mais faut pas se tromper avec celui où on a mis les beignets. Ah non. Heureusement que les girafes ne sont pas domestiques. Ça se fait vraiment problématique. T'as vu mon frère, je les ai tout évité les crottes. Bon attention, fais gaffe plus haut. Qu'est-ce que t'as dit mon frère? Fais gaffe plus haut. Fais gaffe mon frère. Putain girafe. Voyez-vous c'est pas si mal avec les clébards. Follow the legal ou pas le gars. Trotte de chien. À Paris y'a toute l'histoire des monuments, mais y'a aussi les crottes de chien. Qui vous attendent quand vous tournez au coin. Aujourd'hui, François Pérusse nous parle de cuivre. Parmi les cuivres, on retrouve du côté des instruments les plus aigus la trompette soprano. Plus grave, il y a la trompette. Plus grave, il y a le flugelhorn. Plus grave, il y a le trombone. Plus grave, il y a le tuba. Et le plus grave, c'est qu'il y a encore des gens qui s'achètent des disques de ces Jérômes. Incroyable. Les cuivres ont pour origine les bois, comme le cor français et le cor anglais. Le flugelhorn se vend beaucoup moins que la trompette, et voici pourquoi. Oui, monsieur. Bonjour, mon brave. Je voudrais acheter un flugelhorn. Pardon. Un flugelhorn. Excusez-moi, je... Ah, puis merde, une trompette, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Le trombone, pour sa part, est difficile à prendre au sérieux. Si la contrebasse, par exemple, convient parfaitement à une scène dramatique. Vite, il faut sauver Squibbet. Vous arrivez trop tard, il est mort. Pour une scène identique, le trombone ne ferait pas le même travail. Vite, il faut sauver Squibbet. Vous arrivez trop tard, il est mort. Mentionnons en passant que la note do s'appelait à l'époque la note ut. Ainsi, la phrase suivante, j'ai mal au dos, il est dommage que dorénavant il n'y ait plus de médecin à domicile, je vais faire un petit dodo, se disait, j'ai mal au ut, il est utmage que utrénavant il n'y ait plus de médecin à utmissile, je vais faire un petit ut-ut. Les plus illustres trompettistes furent le défunt Louis Armstrong et le regretté Miles Davis. Le regretté Miles Davis eut cependant quelques problèmes avec la justice. Allez, les mains sur la voiture. Oh, ça va, hein? Ton nom? Miles Davis. Et ton prénom? Le regretté. Comme la trompette se joue avec le souffle et le tonus, il est clair que cet instrument laisse paraître toutes les émotions du musicien. Allô? Georges? Chérie, faut pas m'appeler durant un concert, je suis en train de jouer là. Je t'appelle pour te dire que je te quitte. Mais pourquoi? Pour un guitariste. Mais la trompette, je trouve ça ringard. Mais chérie... Au revoir. Ok, on est prêt pour la musique d'ouverture. Attends, on peut la répéter un coup? Ouais, allez-y. Les esprits se rencontrent et c'est pour les téléspectateurs. Bon, ça vous va? Ouais. Vous aurez peut-être pas le temps de toute la faire, là. Comment ça, mais on peut pas faire juste la moitié, là. Je vais vous dire quand vous arrêtez. Mais non, ça marche pas comme ça. Attention, on y va. Merde, 3, 4... Les esprits se rencontrent... Ok, arrêtez. Bonsoir, bienvenue à Les esprits se rencontrent tateurs. Notre invité cette semaine, l'écrivain Gisèle de Gregeldaegel. Bonsoir. Bonsoir. Votre dernier livre s'intitule...
Non, il s'intitule La paix silencieuse. Oui, plutôt, très bien. Et non pas Le paix silencieuse. Oui, je m'en excuse. Maintenant, et là je n'ai pas le choix, de m'adresser à Gisèle de Grégule-Dégule, la femme. Oui. Parce que si je m'adressais à Gisèle de Grégule-Dégule, la tondeuse à gazon. Ce ne serait pas vraiment moi. J'y ai songé. Oui. Vous avez exigé de la part de tous les éditeurs avec qui vous avez fait affaire de respecter le manuscrit tel qu'il était, point par point, lettre par lettre, virgule par virgule. Il n'était absolument pas question que vous fassiez le compromis qu'aucune lettre de ce que vous avez écrit, de ce qui venait de votre imagination, ait pu être changée par quelque éditeur que ce soit. Il était absolument hors de question que vous acceptiez un tel compromis de changer quelle lettre au virgule que de point. On ne donne plus d'exercices de respiration dans les cours d'annonceurs. Je voulais dire, c'est l'expérience qui vous permet ça. Bien sûr, une personne qui sait nager dira « allons nager », oui. Mais une personne qui ne sait pas nager dira « tout à fait. Il faut s'en servir. Du haut de vos 75 ans... 73. Oui, que je viens d'avoir. Et de vos 15 ouvrages... 25 ouvrages. 25. Je viens de sortir le 25. Votre collaboration avec Arthur de Libo. Arthur de Loubi. Non, pas de Libo, c'est de Loubi. Votre expérience de 12 années de... 15 années de journaliste qui m'ont beaucoup aidé. Me contredit. Ça m'a servi. T'as un bêche de merde. D'ailleurs, je me souviens que on m'avait prédit que je ne réussirais pas dans l'écriture si je quittais le journalisme. On va aller à la pub et on vous revient tout de suite. Sonnerie Musique vous présente le disque Le Vieil Indigène. Un vieil indigène centenaire authentique de l'Équateur vous interprète ses meilleurs titres dans OSDD. Également, et son plus grand succès remixé, Partons tous les deux. Partons tous les deux. Partons tous les deux. Le Vieil Indigène, chez votre disquaire. De retour avec Madame Grégule-Dégule. Oui. Pouvons-nous dire maintenant que l'éditeur a aujourd'hui une tendance vers le best-seller? Allez-y, je vous en prie. Ok, les gars. L'éditeur a aujourd'hui une tendance vers le best-seller. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple. Chérie, c'est si fantastique. Ah, mon amour, comme c'est le bonheur. Ah, ce champagne. Oui. Et ce soleil couchant tout rose. Tiens, tu reprendras un peu de champagne? Ah, s'il te plaît, merci. Oui. Et reprendrais-tu aussi un peu de soleil couchant tout rose? Non, j'ai terminé, ça va. Tiens. Qu'y a-t-il? On dirait que j'ai vu une silhouette passer devant la fenêtre. Quoi, tu attends la visite d'une silhouette? Et pourtant non, j'attends personne. Police! Mais... Zut. Ne bougez plus! Les mains sur la tête! Et pas dans le reste! Ça va. Plus vite que ça! Oh. Allez, allez! Pas de résistance! N'essayez pas de faire le petit malin! Merci. Bon, vous autres, vous cherchez par là. Et moi, je vais chercher par là. Okay. Mais chérie, qu'est-ce qu'il cherche? On dirait qu'il cherche par là. Et qui est ce par là? Je sais pas, moi. Tu me caches quelque chose? Chérie, passe-moi le revolver qui est sous le fauteuil. Quoi? J'ai dit, passe-moi le revolver qui est sous le fauteuil. Et j'entends rien de ce que tu dis. Alors, Donald Duck, où tu caches la marchandise? Je sais pas de quoi vous parlez. Est-ce que tu caches de la drogue? Si tu parles, je te tue. Quoi? Je te tue. Mais... Je te tue. Qu'est-ce que t'as dit à la petite dame? Je lui chantais du jazz, hein, chérie? Je te tue de lit, de lit, de lit, de lit, je te tue de lit, de lit, je te tue. Au cas où vous seriez pas au courant, madame, votre petite amie a importé de la drogue dans des boîtes de pâtes alimentaires. Eh oh. C'était Ce sont des calomnies, chérie. Canelonies, c'est ça. Je proteste. Vous vous expliquerez devant le commissaire. Votre commissaire, je me l'enfile. Alors vous expliquerez derrière le commissaire. Vous n'avez aucune raison de m'arrêter. Vous avez l'air stupéfait. En effet, je le suis. C'est nous qui vous stupéfions? Qui d'autre? Alors nous sommes stupéfiants. C'est le moins qu'on puisse dire. Et nous sommes dans votre demeure. J'ai remarqué. Et quiconque a les stupéfiants dans sa demeure a de bonnes raisons de se faire arrêter. Ah, vous m'avez bien eu là. Mais chérie, et notre voyage en Australie? Non, tu sais, mon amour, Et tu avais dit qu'on devait se marier! Oui, je sais, mais là, tu comprends. Moi qui croyais qu'on aurait des enfants! Eh oui, comme tu vois, mon amour, tout ça tombe à l'eau. Elle avait un petit je ne sais quoi. Si tu es juste en bas, et je ne peux... Non, arrêtez, les gars! Qu'est-ce que t'as? Il y a quelque chose qui va pas, on dirait. Le dernier bout, il était pas assez chanté. C'est peut-être ça, oui, on reprend. Elle avait un petit je ne sais quoi. Si tu es juste en bas et je ne peux ne...
danger. Arrêtez les gars. Ça, c'était parfait, mon vieux. Ouais. C'est mieux, hein. Le manager, il arrive con. Allez. Alors, on a des contrats? Non. Ça peut plus durer. On n'a pas de contrat et on crèche dans des niches. Ouais, il est temps que tu nous déniches un contrat. Ouais, facile à dire. En passant, j'ai fait écouter notre maquette à Ophélie Winter. Et qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle serait la première partie de notre spectacle. C'est vrai, elle ferait notre première partie? Ce qu'elle voulait dire, c'est que si elle allait à notre spectacle, elle serait la première à être partie. J'en ai marre. Si personne veut de notre musique, pourquoi est-ce qu'on n'accompagne pas un chanteur ou une chanteuse connue? Bah qui? Mylène Farmer? Elle voudra pas de vous. Bon, ça veut dire quoi? Qu'on est bon pour la casse? Non, Patricia ne voudra pas de vous non plus. Bon, bah alors. Les gars, pourquoi vous essayez pas en anglais? Ouais, j'y songe à l'anglais. Oh non, si vous voulez faire des trucs en anglais, vous pouvez m'oublier. Il faut relancer nos dés. Ouais, au fond. C'est pas bête. Je vous préviens, si vous faites ça, moi je me tire. T'as des contacts? Bah, c'est pas sorcier. Je préfère foutre le camp que chanter en anglais. Je vais m'y mettre. Je connais quelqu'un qui. De toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Je demande d'aller. Il y a qu'à ouvrir un dictionnaire anglais. Je suis parti, les gars. Mais tu peux te faire aider aussi. Je suis chez moi en ce moment. Mais je te refilais le nom d'un traducteur. Trois semaines ont déjà passé, je suis toujours pas revenu. On aurait commencé par se faire voir dans un club là-bas. On est 10 ans plus tard, je suis caissier chez Quick. Tu t'imagines un jour se retrouver sur le Billboard? Mais c'est bien beau tout ça, le Billboard, les Américains et tout, mais qu'est-ce qu'on fait de l'art? Ouais, mais c'est ça qu'on veut faire, des dollars. Et puis je t'avoue que j'en ai un peu marre de te voir aller partout avec ta serviette et que ça donne rien. Mais écoute, d'ailleurs, tu devrais enfiler un pantalon. Je sais bien, mais cette serviette est la seule chose que je trouve quand je sors de la douche. Salut les gars, je suis de retour. Bon, attends, avant de changer de cap, je vais te faire écouter ma dernière composition, d'accord? Vas-y toujours. 9, 10, 11. C'est pas facile quand ta femme veut te quitter. Et qu'elle te dit quand t'es en train de tomber dans l'escalier. Dans ce temps-là, tout ce que t'entends, c'est boum, crac, crac, pif, pif, bam, bang, boum, boum. Je te quitte, bam, bang, boum, boum, t'es qu'un salaud, bam, bang, boum, boum. Je retourne chez ma mère, bam, 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 fâché, salaud, bam, 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 bam. Ah ouais, et alors? Bah, je trouve ça un peu simple. Bon, tu vois, c'est ça que je reproche à tous les managers. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'est pas ce que je viens de jouer ici que tu devrais entendre. Bah, quoi alors? Tu devrais entendre les cordes, tu devrais entendre les cuivres, les chœurs, tu devrais entendre toutes ces choses. D'accord, tiens, ça c'est le bilan financier de ton groupe. Mais on est vraiment dans la dèche. Mais c'est pas ce que je te montre ici que tu devrais voir. Hein? Tu devrais voir des châteaux, des voitures de luxe et des dîners chez Maxime. Ah, va chier. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy, buddy. On retourne du côté de la salle de conférence où le chef d'État réunit son conseil. Bon, s'il vous plaît, tout le monde, vous réglez d'abord la question du prix du pétrole. Ouais, faut négocier avec l'OPEP. Et ce sera pas facile, il y a des membres de l'OPEP qui viennent ici demain matin. Qu'est-ce qu'on leur dit? Aux membres de l'OPEP? Bah oui. On pourrait peut-être leur dire OPEP pourra. Bon, Gustave, veuillez quitter, s'il vous plaît. Bah quoi? Au revoir. On toujours la même chose. À chaque fois que j'ai une idée, on me jette. Oh, allez. Bah, je vous préviens. Bon. La prochaine fois que j'ai besoin d'idées de quelqu'un, je peux toujours les dire qu'elles sont dans mon oreille. Pauvre Gustave, l'émotion lui a encore fait rater sa phrase de sortie. Ceci dit, il me faut une solution rapidement. Et surtout que depuis les essais nucléaires, votre popularité en a pris un coup. Pardon? Je veux dire, depuis les essais nucléaires, votre crédibilité a chuté un peu. Vous dites? Je veux dire, depuis les essais nucléaires, vous êtes quand même un peu plus controversé que quand vous... Excusez-moi, j'ai mal entendu, je crois. Non, je veux dire, quand le caniche de ma tante revient de se faire toiletter, il pète des bulles pendant 24 heures. Ah, elle me semblait bien avoir mal entendu. Ça fait un de ses dégâts. Il serait tout de même temps de montrer à la population que notre travail ne consiste pas qu'à porter une cravate. Tout à fait d'accord. Excusez-moi un instant. Secrétariat. Spetender. Monsieur le président. Qu'est-ce que vous faisiez là? Je portais une cravate. On cherche quelque chose à dire à l'OPEP demain. Bon, je vais les joindre par téléphone avant qu'ils arrivent. Attendez, avant de négocier avec l'OPEP, il y a certaines choses qu'il faut que vous sachiez. Pas de problème, je sais certaines choses. Lesquelles? Bah, quelques trucs. Par exemple, ouais. Je sais que si on conduit un vélo sans tenir le guidon, on finit par se casser la gueule. D'accord. Quoi d'autre? Je sais le prénom de ma mère. Ouais, ça va. Je sais que si on se met une allumette allumée devant le trottoir. Ouais, je vois que vous savez certaines choses. Ouais, je sais certaines choses. Allez-y, commencez les négociations. Est-ce qu'on a demandé à Louise de rédiger... Qui c'est Louise? C'est la fille des communications. Ah bon, d'accord. De rédiger un communiqué pour la hausse de taxes. Bah, je vais m'arranger pour que cette Louise susmentionnée... J'aimerais bien être à la place de mentionner. ...soit chargée du dossier. Ah, il y a le truc des ordures, là, qui risque d'être mal vu par certains. Je vais au WC. À cause de l'environnement? Non, à cause de l'envie de pisser. Je parle des ordures. Ah bon, non, c'est parce que je trouve qu'à chaque fois qu'on a un projet, on finit toujours par... laissez tomber. Mais dites-le ce que vous avez à dire. Non, c'est qu'un jour, on décide de faire tel truc, et l'autre jour, on trouve... Mais dites-le, allez au bout de vos idées. C'est qu'à chaque fois qu'on prend une décision, il me semble que ça finit toujours... Allez donc vous reposer, Sébastien. Ouais, je crois que je vais faire une petite balade au parc et faire de l'exhibitoire. Il est fatigué, Sébastien. Eh ben, il boit 32 espressos par jour, il a le visage tout crispé. Ouais, ça lui fait toute une tête. Ouais, à force de boire de l'espresso, on a le visage expressif. Bon, et regardez-moi tous ces manifestants dehors qui bloquent l'entrée. Ouais, ils sont là depuis ce midi. Leur fermeture éclair est baissée. Ouais, c'est pour montrer leur mécontentement. Et moi qui devais aller chez le médecin. Pourquoi faire? Eh bien, j'ai des douleurs dans le... Où ça? Dans le mécontentement. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy, buddy. 2 minutes, 2 minutes, buddy, buddy, buddy. 2 minutes, 2 minutes, buddy, buddy, 2 minutes du peuple. Dans la salle des contrôles, au départ d'une navette spatiale, l'atmosphère est palpable. Le mode lecture? Pareil à... Confirme. Le mode radar? Pareil à... Confirme. Le témoin réacteur? Super! Pardon? Ça va partir au quart de tour. Vous avez fait le tour de tous les réacteurs? Non, c'est ce que je dis, seulement
le quart, parce que... Quoi? Qu'est-ce que c'est long, merde. Et votre nom? Moi, c'est Tribocadeux. Venez ici, je vous prie. Ah, pardon. Je vous reconnais pas, vous êtes responsable de quoi? Des réacteurs. On a un problème de réacteur. Et quoi d'autre? Il y a l'allumage. On a un problème d'allumage. Bon, génial. Et puis deux ou trois autres trucs, là. Il y a deux ou trois autres trucs qui fonctionnent pas non plus. Bon, il y a un morceau qui est décollé sur la navette. Vous avez vérifié le fuselage, Tribocadeux? Oui. Bah, il y a un morceau qui est décollé. Bah, c'est normal, on n'est pas au décollage. Non, mais je vais le frapper, Steve. Du calme, c'est pas le moment. Est-ce que vous savez que dans une mission spatiale, ce qui est le plus important, c'est le lancement? Une mission spatiale sans lancement, c'est un peu comme une fleur sans pétale. Oui, ou un dictateur qui n'a pas de guinéen. Pardon? Un dictateur sanguinaire. Et là, est-ce que c'est le moment? Personnel à bord. À l'écoute. Actionnez le levier d'appoint. Entendu. Qu'est-ce que c'est le levier d'appoint? C'est pour ouvrir le sas. C'est fait. Et qu'est-ce que c'est le sas? Le dispositif de sortie, vous devriez le savoir. Et maintenant? Vous pouvez atteindre le morceau décollé avec la main. Et qu'est-ce que c'est que la main? C'est ma dernière question. Ouais, on peut l'enlever. Merci. Alors tout va bien? Bon, écoutez, je sais pas d'où vous venez, mais on n'a pas besoin de clown ici. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un clown? Badoubadou. Écoutez, je vais être gentil, je dirais seulement que vous êtes incompétent. Ouais, bah je suis pas le seul. Hein. Peut-être. Je suis allé dans la navette ce matin et je vais vous dire, les WC sont vraiment mal conçus. Ouais, d'accord. Ils sont beaucoup trop hautes. On dirait que ça sent la pisse dans les haut-parleurs du plafond. Où est le registre de vos activités depuis ce matin? Hein? Bah, j'ai pas de registre. Vous êtes vraiment le contraire de ce qu'il nous faut ici. Pourquoi? À toutes les 30 minutes, il y a un compte rendu. Je m'en suis pas rendu compte. Vous voyez, compte rendu, rendu compte, vous êtes vraiment le contraire. Mais fous-la à la porte, cet enfoiré. De toute façon, c'est les astronautes qui font cette mission, non? Ouais, et ils doivent faire des prouesses dans la navette. Mais aussi, il faut faire des prouesses à la base. Ah, ça, je peux le faire, par contre. Mais qu'est-ce que vous foutez là? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait des prouesses à la basse. Bon, qu'est-ce qu'on fait? On devrait appeler Johnson pour le remplacer. Ah non, vous allez pas me remplacer par Johnson, je le connais, c'est un con. Bon, mais on prendra pas Johnson. Quoi, tu t'inquiètes à cause de ce que vient de dire ce minable? Non, c'est le fait qu'il le connaisse qui m'inquiète. Vous allez pas me virer comme ça? Écoutez, dans ce boulot, il faut dire les vraies informations. Et là, vous nous avez dit que tout était conforme. Mais tout était conforme? Je suis pas une andouille. Vous voyez, vous venez de dire deux fausses informations. C'est la vie des astronautes et des millions de dollars qui sont en cause. Exactement, et on fait pas de blague. Dans quelques minutes, ils auront quitté l'atmosphère. Ouais, bah je les envie. Pourquoi? Parce que je trouve que l'atmosphère est assez tendue. Deux minutes, les deux minutes du peuple. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy, buddy. Hélène? Ah, elle est partie. Bon, ouvrir le courrier. Tu as choisi de me tromper, félicitations, je te quitte. Merde. Et qu'est-ce que c'est que cette autre enveloppe? Whirlpool. Vous avez choisi Whirlpool, vous ne vous êtes pas trompé, félicitations. Non, ça c'est la garantie de ma cuisinière. Mais Hélène est partie, mais... Et ça, qu'est-ce que c'est? Hélène, ma chérie. Mais elle me trompe aussi. Tu m'avais dit de ne pas t'écrire chez toi, mais je n'ai pas pu m'empêcher. Tu m'avais dit de ne pas essayer de te joindre, mais c'était plus fort que moi. Et tu m'avais dit de ne pas mettre mes doigts dans le grille-pain lorsqu'il est branché, et je suis justement en train de... Il n'y a pas d'erreur, elle voit quelqu'un. Il doit certainement y avoir un détective privé qui pourrait... Je ne sais pas d'ailleurs si on peut trouver un détective privé dans le bottin. Bonjour. Eh ben oui, il y a un détective privé dans le bottin. À votre service. Venez. Voilà, merci. J'ai besoin de faire suivre ma femme. Évidemment. Faut vraiment pas qu'elle le sache. Ni vu ni entendu, je me faufile comme un chat. Parfait, assoyez-vous. Merci. Bon, tenez, je vous apporte une photo. Ah, c'est elle? Oui, avec le blue jean. Elle a un fils? Ouais, mais il est pas de moi, c'est son ancien mec de je ne sais trop quelle origine. On peut voir son orifice à travers son jean. Quoi? Je veux dire, on peut voir son origine à travers son fils, le type était asiatique. Vous êtes sûr que vous pouvez faire votre travail sans être vu? Monsieur. Oui. Discrétion. Mm-hmm. Et efficacité. D'accord. Sont trois mots du dictionnaire. Voilà qui me rassure. Et vous avez une voiture? Ah si, c'est... Une voiture discrète? Ah si, c'est... une quelle marque? C'est une Audi. Ça fera l'affaire? Ah si, c'est... Quel modèle? Ah si, c'est... Bon, eh ben allez-y, je vous fais confiance. Eh ben en route! Je vous informe de tout! Vous me donnez des nouvelles de chacune des étapes de votre travail. Comptez sur moi! Allô? Je viens de sortir de chez vous! Non, faut pas exagérer non plus. Bon, en voiture! On va écouter un peu de musique! Pourquoi me regardes-tu comme ça? C'est pas moi qui ai fait ce petit dégât. C'est peut-être le chien. Ou ton fils Julien. Mais cesse de me regarder car c'est pas moi. Oh la 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 la. Eh putain. Faudrait que je fasse réparer cet appareil cassette. Tiens, je vais me garer ici. Je suis désolé, monsieur. Oui, monsieur l'agent. Stationnement interdit, faut circuler. D'accord. Putain, il faudra que je fasse réparer ce policier. Putain, il faudra que je fasse réparer ce trou... Allô? Et alors? Je suis devant un café près de chez vous, mais... Oh, il sort une fille qui lui ressemble. Regardez bien sur la photo. Oui, c'est le même visage. Vous êtes sûr? Oui, mais c'est pas elle. Pourquoi c'est pas elle? Non, elle porte pas un jean. Mais c'est pas grave. Elle est pas sur la plage. Non, écoutez, il faut... Elle tient pas son fils par l'épaule. Non, mais elle attendez... est pas en deux dimensions sur papier glacé. Suivez-la quand même. Vous êtes sûr? Ça lui arrive de sortir sans sa plage et en trois dimensions. Ça devient compliqué, là. 2 minutes. Les 2 minutes du peuple. Excusez-moi, monsieur. Vous auriez pas un peu de monnaie? C'est ça, pour aller boire? Mais c'est pas pour boire, c'est pour manger! Eh bien sûr, ouais. J'aurais pas 57 ans si j'avais fait que boire toute ma vie, espèce de con! Léon.
Léon. Hein? Pardon? Léon. Mais qui c'est qui me parle? C'est Dieu. C'est qui? Dieu. Dieu. Et quel Dieu? Dieu. Dieu. Hein? T'en connais beaucoup de types qui parlent dans les airs avec l'écho? Ah, vous êtes le Dieu? Ouais. Eh ben, j'ai deux mots à vous dire, moi. Ouais. J'ai pas de félicitations à vous faire pour le sort que vous m'avez réservé. Mais tu sais, Léon, si le mal existe, ouais, ouais, c'est pour qu'il y ait l'équilibre. On la connaît, la chanson. S'il n'y avait que le bien. Oui, bien sûr, oui. Le bien n'existerait pas. Oui, je sais, je sais. Pour la pureté de l'âme. Oui, c'est facile à dire. Ouais, je sais. Ça va te faire. C'est de l'injustice, ça, monsieur Dieu. Léon, ne t'apatouille pas. Ne t'y patouille pas. Ne t'y patouille pas. Ne t'apitoie pas sur ton sort, je suppose. C'est cela. Et vous qui êtes infiniment bon, à l'approche de Noël, pourquoi vous feriez pas quelque chose pour moi? D'accord, Léon. Je suis qu'un pauvre homme, moi. D'accord, Léon. J'ai vécu honorablement, moi. D'accord, Léon. Qu'est-ce que vous foutez là? Un solo d'accord, Léon. Et je suppose que ça va être ça, mon cadeau. Non, écoute, pour Noël, je t'invite au restaurant qui est de l'autre côté de la rue. Ah, et comment vous allez faire? Eh bien, je vais prendre forme humaine et je t'attends à l'intérieur. Parfait, j'y vais tout de suite. Ce sera la première fois que je vais manger dans un restaurant comme celui-là. Vieux. Va te faire foutre un œuf. Hein? Je suis tellement énervé que je mélange même mes insultes. Bonjour, monsieur. Une réservation au nom de Dieu. Ne perdez pas patience. À quel nom, s'il vous plaît? Au nom de Dieu. Inutile de jurer. Ah, je le vois, il est assis là-bas. Bon, alors allez-y. Merci. Tiens, vous pouvez me donner ça, je vais le jeter pour c'est vous. C'est mon manteau. Oh, pardon. Ah, salut. Assieds-toi, Léon. Si j'étais vous, je fermerais l'écho. On risque de se faire remarquer. Tu as raison. Un, deux. Un, deux. Un, deux. Ah, sacrée machine de merde. Ce serait pas ce bouton-là? Ah, voilà, merci. Nous sommes incognito. Est-ce qu'on prend un apéritif? Une bouteille de pinard dans un sac de papier, s'il vous plaît. Et pour monsieur? Rien, merci. J'ai juste une petite question. Oui? Vous avez de l'argent pour payer? Regarde. Oh, c'est une carte bleue. Non, Léon, c'est une carte Dieu. Eh ben justement, il y a des choses que je comprends pas, moi. Quoi donc? Notre pape, il est là pour défendre la pauvreté et il habite un château tout neuf. Oh, tu dis n'importe quoi. Vous avez choisi votre vin, monsieur? Château neuf du pape. Qu'est-ce que je disais? Tu devrais être heureux, Léon. Tu n'es pas un homme malhonnête, tu es itinérant. Itinérant pas en enfer. Hein? Itinérant pas en enfer. C'est un calembour. Qu'est-ce? Un calembour, Léon. Ah. Itinérant pas en enfer. Mais vous êtes vraiment puissant, vous. Je suis Dieu tout puissant. Ça me fait penser. J'ai quelque chose à vous dire. Un petit péché à vous confier. Je t'écoute. Un jour que j'avais ramassé un peu d'argent sur la rue, mm-hmm, je suis entré dans un bar de danseuses et mm-hmm, j'ai demandé à une danseuse de danser sur la table. Ça va, tu es pardonné, Léon. Et en passant, au ciel, mm-hmm, est-ce qu'il y a des femmes? Mais bien sûr, Léon. Ah oui. Seulement, elles n'ont pas de corps. Ah, c'est ça. Tu ne peux voir que la table. Bah, c'est déjà quelque chose. Est-ce que vous êtes prêt à commander? Oui, je vais commander les 10 premiers plats qui sont là. Dis donc, vous avez un creux? Non, c'est parce que je marche par 10 commandements. Et pour monsieur? La même chose. Ah ah, monsieur est influençable. L'acte de Dieu est incontestable, dit la Bible. Ah. L'acte de Dieu n'est pas couvert par les assurances, disait le courtier. Ça sera tout, merci. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, buddy, buddy. Si on disait toujours ce qu'on pense vraiment, on serait pas forcément très gentil. Voici un exemple d'une conversation anodine d'aujourd'hui. Ah tiens, Jean-Paul. Jean-Paul. Ah. Comment ça va? Ah bonjour. Attends-moi, je traverse la rue. Ah ouais. Alors tu t'es trouvé du boulot? Oh, bon petit truc, ouais. Ah, super. Ouais. Toi, ça va? Ah ça va, ouais. Ah, ouais. Bon ben écoute, t'as le temps pour un petit crème juste à côté là? Ah, ça avec plaisir, vieux, je suis un peu à la bourre. Ah c'est vrai. Embrasse ta femme. Ok. Si ces deux personnes s'étaient parlé directement sans détour, voici ce qu'elles se seraient dit. Ah tiens, Jean-Paul. Oh non, merde. Attends, je traverse la rue. Non, je veux pas te voir. Comme ça, tu t'es trouvé du boulot. Ouais, pars de moins près, tu pues de la gueule. Alors maintenant, tu peux me rembourser les 200 francs que je t'avais prêtés. Ah non, tu les as pas oubliés? Non, même que quand je pense à toi, je te pète la tête sur une porte. Non, c'est que j'ai pas l'intention de te rembourser, là. Ah non? Mais non, mets-toi à ma place, c'est chiant de rembourser. Pense pas que tu le ferais. Alors tu me rembourses? Quand tu me dis que tu pèterais la tête sur la porte. T'as vu ça? Boum, boum, boum. Pense pas que tu le ferais. Et si on ne se disait que la vérité, comment seraient les relations avec les vendeurs d'assurance? Alors, comme ça, je suis couvert sur tout, là. Hein? C'est tout risque. C'est cher, mais c'est tout risque. Non, en fait, c'est pas tout risque. Comment? C'est cher, mais ça couvre presque rien. Oui, mais je vous signez là, si vous plaît. Mais je me fais pas avoir en ce moment, là? Non, en ce moment, pas du tout. Ah non? C'est au moment de la réclamation que vous êtes baisé. Parce qu'en ce moment, je suis sur le point de signer quelque chose, et puis je trouve que vous avez une gueule de salaud. Allez, signez là. Hein? Signez là. Non, ne lisez pas les clauses en petit caractère. Mais il faut que je les lise, les clauses. Non, faut pas lire les clauses en petit caractère. Pourquoi? Parce que vous allez voir la teneur du contrat, vous serez plus intéressé à signer. Bah alors, et moi j'aurais pas ma prime. J'ai pas besoin. Signez là. Oh, est-ce que vous êtes laid? Comment vous énervez? Où est-ce que vous allez là? Je vais chercher ma pompe à vélo, je vais vous la mettre dans le cul. Oh, j'ai pas envie d'avoir une pompe à vélo dans le cul, non? Non, je vais vous casser la gueule. Arrêtez de baver sur ma montre. Tiens. C'est désagréable. Oh, tiens. Lâche-moi. Arrête la pompe. Non. J'ai mal aux mains. Bon, je suis pas intéressé. De toute façon, dès que je vous ai vu, j'étais pas intéressé. Je croyais bien pouvoir vous arnaquer. Bon, je m'en vais. Madame? Oui. Je sais pas ce que vous cuisinez, mais ça pue. Au revoir. Non, je m'en fous, c'était la tienne. 2 minutes, les 2 minutes du peuple. La musique populaire aujourd'hui ne se fait plus de la même façon. Les musiciens performants sont trop souvent remplacés par des ordinateurs. Mais consolons-nous en nous disant que les plus grandes œuvres ont été faites à l'époque où on jouait vraiment d'un instrument.
Pensez au trompettiste qui exécuta le fameux solo dans la chanson Penny Lane des Beatles. Alors on y va, on enregistre la trompette. Et pas maintenant. Et il faut se presser, allez. Non, pas maintenant, ma trompette elle est cassée, j'essaie de la réparer. Pas maintenant, on n'a pas que ça à faire, allez, on y va. Non, pas maintenant, ma trompette elle est... Ta trompette, tu te débrouilles avec et on enregistre immédiatement, on y va. Pas maintenant. Keeps fire engine clean. Pas maintenant. Allez. It's a clean machine. Pas maintenant. Ah, merde, oublie la trompette et fais-le avec ta bouche. Voilà comment s'était déroulé cet enregistrement. Autre chose qui se fait automatiquement aujourd'hui, le fondu en noir sonore. Vous savez, cette finale d'une chanson populaire qui consiste simplement en une baisse graduelle du volume. J'aimerais être une libellule et me poser sur ton pull et regarder sur ton pull, regarder tes deux petits bouts qui changent tout. Ça va, tu peux commencer à baisser. Ok. Qui change tout. De petits bouts, petits bouts, petits bouts qui change tout, change tout. Oui, qui change tout. De petits bouts qui change tout. Ça va comme ça? Super, c'est un tube. Pour réaliser cela, aujourd'hui, on n'a qu'à bouger un curseur. Mais à une certaine époque, c'était un peu plus compliqué. Alors les musiciens, vous êtes prêts? Ouais. On va faire une baisse de volume. Thierry, t'as les microphones? Ouais. Didier, t'as le magnétophone? Ouais. Allez-y les musiciens. T'es de petits bouts qui change tout. Attention, qui change tout. On commence à courir. Qui change tout. Ça va, on est assez loin. Aujourd'hui, il est un jeu d'enfant d'ajouter de l'écho à sa voix. Mais à une certaine époque, il fallait utiliser des endroits où il y avait de l'écho naturel. Alors tous les musiciens sont prêts? Ouais. Et le chanteur, ça va dans ta caverne? Je te jure qu'on se les gèle ici. Allez, on n'en a pas pour longtemps. J'ai l'impression d'être dans le refuge d'un Yeti. Le résultat de ces enregistrements était impressionnant. Je t'aimerai toujours. Professeur Dubreuil. Oui, Sandrine. Monsieur demande à vous voir. Et qui c'est? Votre nom c'est? Albert Einstein. Albert Einstein. Bon, dites à ce petit trou du cul qu'il aille se faire mettre et que c'est de la part de Edith Piaf. Il y a Edith Piaf qui vous dit que vous êtes un petit trou du cul et d'aller vous faire mettre. Mais ce n'est pas logique, mademoiselle. Comment ça? Si j'ai un aussi petit trou du cul, comment pourrais-je me faire mettre? Il n'y a que lui qui puisse avoir cette logique. Sandrine! Oui, monsieur. Faites entrer. Allez-y. Professeur? Einstein, vous êtes de retour? C'est relatif. Mais qui me prouve que vous êtes le vrai? Eh bien, posez-moi un problème. D'accord. Il est 14h. Bien. Un homme se dirige en voiture vers Moscou, qui est à 79 km. Sa vitesse varie de façon régulière entre 50 et 80 km/h, dépendant d'une route constituée de pentes montantes à 17 degrés qui font 45% du trajet. D'accord. Quand arrivera-t-il à Moscou? Jamais. Pourquoi? Parce qu'il conduit une Lada. Bravo. Se souvient-on encore de mes découvertes? Eh ben, disons qu'on parle surtout de votre découverte nucléaire. Quel regret! En effet. Si j'avais pu prévoir ce que l'humanité est devenue aujourd'hui. Vous n'auriez pas inventé cette arme. Au contraire, j'en aurais inventé une beaucoup plus puissante. Vous avez découvert ça instinctivement, Einstein? Non, j'ai découvert ça instinctivement. Oui, plutôt. Vous savez, je connais un institut où vous feriez fortune. Il y a un endroit qui... ne parlez pas d'institut. À l'institut, ils croient tous savoir, mais ils savent que dalle. À l'institut, vous dites? Oui, à l'institut, c'est ce que je dis. À l'institut, tu dis? À l'institut, j'ai dit. Institut le dit, c'est parce que tu dois le savoir. Et à notre époque, à l'école, on s'intéresse plus aux chanteurs populaires qu'au fonctionnement d'une ampoule électrique ou du remplissage d'une baignoire qui fuit. Ah, pour ça. Vous admettez? Il y a même un chanteur populaire qui a dévissé une ampoule électrique en sortant de sa baignoire. Et je parie que vous-même, à l'école, ne lisiez que des bandes dessinées. Mais jamais de la vie, partout à tisse. Vous êtes sûr? Espèce de bachibouzou. Et où en est votre culture? Ben aujourd'hui, la musique, par exemple, c'est les rappeurs. Vous dites? Les rappeurs. Les rappeurs. Qui font du rap, ils parlent au lieu de chanter. Et à mon époque, ça n'avait aucun rappeur. Vous savez inventer quelque chose? Eh bien, je... Et merde. Qu'y a-t-il? Rien, un étourdissement, ça me prend chaque jour. C'est normal. Pourquoi? Vous travaillez au 14e étage. Et alors? Votre cerveau réagit moins à la gravité terrestre et vous en perdez une partie des facultés. Vraiment? Combien d'étages ici? Il y en a 80. Je n'ose pas imaginer le pauvre type qui bosse au 80e. C'est le président du pays. Voilà qui explique tout. Et monsieur Einstein. Albert. Oui, enfin Albert, j'ai... Vous avez un problème à résoudre? J'ai inventé quelque chose, mais c'est un secret. Vous avez inventé? Chut. Oui, d'accord. J'ai les plans ici, sous clé. Oh, vous en avez même les plans sous clé? Je n'en parle qu'à vous, parce que je vous admire et vous estime. C'est pour ça que vous touchez mon pénis? Chut. D'accord. Regardez. Oui. C'est un microscope analogique. Ça a l'air super. Avec vos connaissances, on pourrait en faire un bijou. Ça dépend. On pourrait aller en discuter au petit bistrot en face. Ce n'est pas d'objection. C'est un endroit non fumeur, par contre. Je ne fume pas. Mais c'est très enchanteur. Je ne chante pas non plus. Et je trouverai une solution pour vous loger ensuite. Ah, vous... très aimable. Où aimeriez-vous loger, grand penseur que vous êtes? Eh ben, dans une pension. J'aurais dû y penser. Les grosses têtes.
Bonsoir, bienvenue aux Grosses Têtes. Ce soir, un auteur déchiré, un auteur tourmenté, dont le livre est le reflet du fond de l'âme, Sébastien Pudulimucrulu. Alors bonsoir, monsieur Purjutulu. Je savais bien que vous pourriez pas le prononcer une deuxième fois d'affilée. Vous avez intitulé votre livre « Le champignon viscéral ». Oui, parce qu'au fond de moi-même, champignon, en viscéral, mais qu'est-ce qui se passe là? Vous inquiétez pas, c'est le bruit qu'on entend lorsque tous les téléspectateurs changent de chaîne en même temps. Et c'est bientôt fini? Oui, ça achève, il en reste que deux ou trois... Voilà, nous sommes seuls. Bon, vous avez fait ressortir en vous le poète, monsieur Pudulimucrulu. Et la critique littéraire vous accueille à bras ouverts en déclarant que de tout ce qui s'est vendu jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un livre qui soit aussi exemplaire. Non, vous avez du mal comprendre. Ce qu'ils ont dit, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai vendu qu'un exemplaire de mon livre. Je dois vous dire, monsieur Pudulimucrulu, qu'à la lecture du premier chapitre de votre livre, j'ai été saisi. Est-ce qu'ils ont tout pris? Oui, tous mes meubles. Oh. C'était affreux. Je comprends. D'ailleurs, ce n'est que lorsque le huissier est parti que j'ai pu commencer le deuxième chapitre. Allons bon. C'est un livre tourmenté. D'ailleurs, vous avez un visage tourmenté. Oui, c'est la chirurgie plastique. Ah vraiment? Ils ont tourmenté mon visage. Vous fûtes musicien dans votre jeunesse. Oui, vous fûtes soliste dans un grand orchestre. Oui, qu'est-ce que vous fûtes dans ce grand orchestre? Je fûte traversière. D'où l'idée de vos textes si musicaux. Oui. D'où l'idée de lire ce recueil de poésie issu de la musique. D'où l'idée de lire... D'où l'idée de lire la poésie en général en ce qui me concerne. D'où l'idée de lire votre œuvre. D'où l'idée de lire de D'où l'idée de la de Effectivement. Vers la fin de votre ouvrage, vous évoquez un chevalier qui traverse les époques. Oui, une sorte d'odyssée de l'amour. C'est une véritable épopée. Non, ce n'est pas une épopée. Vous n'êtes pas d'accord avec l'épopée? Non, à l'épopée, je dis non. Comme dans la chanson. Laquelle? On l'écoute. C'est une épopée qui fait non. Et pour terminer, monsieur Purlichli, ça va. J'invite les gens à se procurer ce livre. Oui, je crois. Alors dites-nous comment on peut trouver ce livre. On peut trouver ce livre très chiant. 2 minutes du peuple. Les grosses têtes. Bonsoir, bienvenue aux Grosses Têtes. Ce soir, un auteur déchiré, un auteur tourmenté, dont le livre est le reflet du fond de l'âme, Sébastien Pudulimucrulu. Alors bonsoir, monsieur Purjutulu. Je savais bien que vous pourriez pas le prononcer une deuxième fois d'affilée. Vous avez intitulé votre livre « Le champignon viscéral ». Oui, parce qu'au fond de moi-même, champignon, en viscéral... Mais qu'est-ce qui se passe là? Vous inquiétez pas, c'est le bruit qu'on entend lorsque tous les téléspectateurs changent de chaîne en même temps. Et c'est bientôt fini? Oui, ça achève, il en reste que deux ou trois... Voilà, nous sommes seuls. Bon, vous avez fait ressortir en vous le poète, monsieur Pudulimucrulu. Et la critique littéraire vous accueille à bras ouverts en déclarant que de tout ce qui s'est vendu jusqu'à maintenant, il n'y a qu'un livre qui soit aussi exemplaire. Non, vous avez du mal comprendre. Ce qu'ils ont dit, c'est que jusqu'à maintenant, je n'ai vendu qu'un exemplaire de mon livre. Je dois vous dire, monsieur Pudulimucrulu, qu'à la lecture du premier chapitre de votre livre, j'ai été saisi. Est-ce qu'ils ont tout pris? Oui, tous mes meubles. Oh. C'était affreux. Je comprends. D'ailleurs, ce n'est que lorsque le huissier est parti que j'ai pu commencer le deuxième chapitre. Allons bon. C'est un livre tourmenté. D'ailleurs, vous avez un visage tourmenté. Oui, c'est la chirurgie plastique. Ah vraiment? Ils ont tourmenté mon visage. Vous fûtes musicien dans votre jeunesse. Oui, vous fûtes soliste dans un grand orchestre. Oui, qu'est-ce que vous fûtes dans ce grand orchestre? Je fûte traversière. D'où l'idée de vos textes si musicaux. Oui. D'où l'idée de lire ce recueil de poésie issu de la musique. D'où l'idée de lire... D'où l'idée de lire la poésie en général en ce qui me concerne. D'où l'idée de lire votre œuvre. D'où l'idée de lire de D'où l'idée de la de Effectivement. Vers la fin de votre ouvrage, vous évoquez un chevalier qui traverse les époques. Oui, une sorte d'odyssée de l'amour. C'est une véritable épopée. Non, ce n'est pas une épopée. Vous n'êtes pas d'accord avec l'épopée? Non, à l'épopée, je dis non. Comme dans la chanson. Laquelle? On l'écoute. C'est une épopée qui fait non. Et pour terminer, monsieur Purlichli, ça va. J'invite les gens à se procurer ce livre. Oui, je crois. Alors dites-nous comment on peut trouver ce livre. On peut trouver ce livre très chiant. 2 minutes du peuple 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nous irons dans la joie sur le chemin de l'amour. Nous irons tous ensemble vers le Seigneur pour toujours. Bonjour à toi, mon frère. Aujourd'hui, nous allons parler d'aimer son prochain. Pas facile d'aimer son prochain. Hier, j'ai écouté le dernier album de Francis Lalanne et ce sera difficile d'aimer son prochain. Tout le monde ensemble. Jésus est avec nous.
Si vous le voulez bien, je vais vous présenter son prochain invité, Yannick. Ouais. Bonjour Yannick. Bonjour. Tu as un témoignage incroyable à nous communiquer. Ouais, ben en fait, j'ai essayé de me pendre la semaine dernière et... Tu l'as péché. Oui, je le regrette beaucoup. Alors demande pardon au Seigneur et repens-toi. Ouais, je vais peut-être me rependre cet après-midi. Tu viens pour nous interpréter une chanson d'espoir, d'amour. Ouais, moi et mon copain Thierry, on... Oui, bonjour Thierry. Bonjour. Bienvenue dans la maison de l'amour. Merci. La paix soit avec toi. Vous aussi. Alors comment s'appelle cette chanson que vous allez nous interpréter dans la paix de l'amour, de la joie? Eh ben, ça s'appelle la joie de l'amour, de la paix. Eh bien, nous vous écoutons dans l'allégresse. Ok. Oui. Attention. T'es prêt? Ok. 1, 2, attends. 1, 2, 3, attends. 1, 2, attends. 1, 2, 3, non, attends. 1, 2, 3, non. 1, 2, non. 1, 2, 3, 1, attends, je vais le compter, moi, je vais. 1, 2, 3, 4. Toi, mon ami, partons dans la joie. Sur le chemin de la lumière, nous irons dans l'amour. Sur la route de l'éternel. Il y a des émissions de télé dont les sujets ne nous intéressent guère. Voici l'émission L'ennui porte conseil. Et voilà, bonsoir, bienvenue à L'ennui porte conseil. Veuillez excuser notre pianiste qui s'est endormi sur son clavier. Nous avons comme invité ce soir Madame Lisette La Petite Tarte. Tarte La Petite. Tarte La Petite. Et ça, comment allez-vous? Je vais bien. Caméra 2. Et de quoi venez-vous nous parler, Madame Tiddly Tarty? D'abord de tissage. Oui, car vous tissez. Oui, je passe mes longues soirées d'hiver en tissant. Voilà qui est très divertissant. Mais je fais aussi autre chose. Oui, vous êtes une femme d'action, vous êtes une femme d'aventure, vous êtes une femme. Bon, qu'est-ce que je disais là? Vous êtes une femme. Oui, c'est ça, vous êtes une femme. J'ai d'ailleurs apporté un livre. Ah, vous avez apporté un livre. Alors, d'où ça vient ce livre? C'est d'un poète, c'est d'un romancier ou c'est d'un... C'est d'un ennui. D'accord. Et qu'est-ce que... je sais pas, moi, merde. Qu'est-ce que vous faisiez avant le tissage, tiens? Bravo, Roger. Ça, c'est bien récupéré. Je suis une ancienne liseuse de cartes. Vous lisiez La Bonne Aventure dans les cartes? Oui, mais anciennement. Je suis une ancienne liseuse. Alors, vous êtes cartomancienne? Oui. Alors, si vous voulez bien, on va faire une pause pour passer une pub totalement sans intérêt. Les protèges poignées de tiroir Moulon et Gastille protègent les poignées de tiroir octogonales d'une taille de 6 cm et sont disponibles en une seule couleur, orange à pois vert. Rien compris, aucune garantie, on demande un délai de 18 mois de livraison et le livreur entre chez vous avec ses bottes pleines de boue, il pète et fouille dans votre frigo. Hey, les protèges poignées de tiroir orange à pois vert Moulon et Gastille, c'est de l'argent que l'on gaspille. Et voilà, de retour en studio, mon prochain invité, Didier de la Casse. Bonjour, vous avez enfin bonsoir. Alors, vous soufflez des petits animaux en ballon. Vous soufflez des ballons, ça fait des petits animaux. Vous soufflez des petits animaux en ballon. Oui, en fait, c'est ce qu'on vient de dire. La façon dont vous procède, on s'en branle. Faites-nous plutôt une démonstration. Alors, vous avez ici un petit oiseau. Très joli. Et je le souffle. Et voilà. C'est bizarre, je croyais que... Putain de plume. Je croyais que c'était l'inverse, que vous preniez un ballon et que vous le souffliez, ça faisait un petit oiseau. Oh merde, j'ai fait le contraire. Bon, pouvez-vous nous parler un peu de votre vie, tiens, histoire de s'emmerder? Mon grand-père était percepteur d'impôts. On a rien à foutre. Mon père était également percepteur d'impôts. Tiens, ta gueule, et ta gueule. Je suis aussi percepteur d'impôts. Alors vous êtes passé ça de père en fisc. Les deux minutes du peuple. Ministre! Sa Majesté désire! Tu parles si je désire, ouais! Viens voir ici! J'arrive, Sa Majesté! Et dépêchez-vous pour l'amour! Dépêchez-vous! Il fait 4 km ce foutu palais de Médée! Bon, ministre, je suis en train de m'emmerder, faites quelque chose! Sa Majesté voudrait-elle entendre un peu de musique? Ça dépend, parce que moi, la flûte à bec, je commence à en avoir plein mon trou de nez! On vient justement d'engager un nouveau claveciniste! Eh bien, qu'on me le fasse entendre! À vos ordres! J'arrive! Bien le bonjour, sujet! Sa Majesté! Et comment vont le verbe et le complément? Eh bien, merci. Alors, à quel vous me jouez? La dernière rhapsodie de Dermot Zemmuretlin. T'as pas de bac? Mais non, je suis pas allé à l'université. Alors, vas-y, je t'écoute. Dis donc, est-ce que c'est bien toi-même qui joues? Mais bien sûr que c'est moi qui joue.
C'est pas que je connais la musique, mais il me semble que tes mains ne font pas la même chose que les notes. Sa Majesté, c'est bien moi qui joue. Donne-moi tes mains. Voilà. Ah, tu vois, ça joue quand même. C'est un nouveau modèle qui... Et qu'est-ce que c'est que ce bouton? Je trouve cela étrange. Oui. Et celui-là? Chacha. Oui, c'est de Chacha. Il y a même l'éclairage. Ici, c'est écrit bougie. Bougie, oui, c'est... T'as essayé de me baiser royalement. C'est difficile de baiser un roi autrement. Ministre. Majesté. Foutez-moi cet instrument dans l'oubliette. Tout de suite. Ainsi que le musicien. Avec plaisir, Majesté. Excusez-moi. Oui, oui. Oui. Il continue de faire de la musique dans les canalisations. Ça, c'est vraiment de la persévérance. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, buddy, buddy. Tout le monde en place, les musiciens? L'annonceur? Oui, ça va. Bah, dis donc, je m'excuse, mais je te connais pas, t'as de l'expérience? Bah oui, j'ai fait de la pub radio. Et quelle pub t'as fait? Bah, j'ai fait les cassettes, là, Tegada, Tagadé, Téléga. Téléga? C'est ça, Kedetaga. Et quoi d'autre? Y a les pneus, là. Tu sais le slogan, on va jusqu'au bout avec les pneus mi-chemin. Michelin. Chimelin, voilà. Et ensuite? Bah, j'ai fait une pub pour des patatis. Non, les patatas. Non, tu sais, les. Les pététés. C'est ça. Mais là, c'est une pub de rasoir pour la télé qu'on fait. Oui, je sais, je sais. Bon, attention tout le monde, on y va. Je déteste me raser, mais avec le rasoir Chilichi, c'est différent. Coupé, excuse-moi. Qu'est-ce qu'il y a ? Il faut pas lire ta feuille, il faut regarder la caméra. Ah bon, Ça va aller, tu l'as appris par cœur au moins ? Oui, oui. On y va ! Je déteste me raser avec le rasoir Chilichi. Non, c'est pas ça. Tu fais gaffe, hein ? Oui, bien sûr. Action ! J'ai écrasé mon visage et personne m'a reconnu de côté. Bon, premièrement, t'as mal dit ta phrase. Attends, voilà. Ah, j'ai rasé mon visage avec une marque connue de ce côté. Et deuxièmement, t'es sauté tout de suite à la deuxième phrase. Ah, je déteste me raser, d'accord. Bon, alors on refait, les musiciens sont toujours concentrés. Ouais. Annonceur. Je vais le dire une fois, d'accord. Ouais. Je déteste me raser, mais avec le rasoir Chilichi, c'est différent. J'ai rasé mon visage avec une marque connue de ce côté. Attention, on y va. Je déteste faire des marques sur le côté différent de mon visage connu avec des rasoirs Chilichi. Merde. On reprend tout de suite, ça va aller. On y va. Je chilifie faire visage le surcôté connu de mon déteste des rasoirs. Très jolie voix. Merci. Je te signale en passant que le président des rasoirs Chilichi est derrière toi. Ah, bonjour, monsieur le président. Ah. Alors, vous voulez qu'on la refasse pour être sûr? J'apprécierais. Ça sera un plaisir. Action. Je déteste me raser. Mais avec le rasoir Chilichi, c'est différent. J'ai rasé mon visage avec une marque connue de ce côté. Hey, y a quelqu'un qui veut du café? Didier, merde, pour une fois qu'on avait une bonne prise, t'as tout fait rater. Attendez, je peux arranger ça. On écoute, voir. J'ai rasé mon visage avec une marque connue de ce côté. Hey. Ouais, ça empiète, là. Merde, on peut enlever ce qu'il y a de trop? Je vais essayer. C'était bien, ça? Ouais, j'ai enlevé ce qu'il y a de trop. Mais on m'entendait pas, là. C'est ce que je dis. On enchaîne avec la suite. Regardez ce film porno qu'on voit trois couples à poil à la fois. Qu'est-ce que c'est que ça? Regardez ce film pour notre confort, Chilichi coupe le poil trois fois. Merde. Robert, tu me passes le bottin des annonceurs? Deux minutes, les deux minutes du buzz. Deux minutes, deux minutes, deux minutes, buddy buzz. Une agence spatiale qui expédie une sonde pour explorer l'espace n'a pas toujours le succès attendu. Et alors, Proud and Grass? Toujours rien. Et merde. Sparker? Le récepteur fonctionne, mais il n'y a pas de signal. Pas vrai. Tarzanduk? On dirait qu'il n'y a rien sur le scanner. Bon, je rêve. Bridgegar? C'est pas possible. Hanson? Ouais? Qu'est-ce qui a pu se passer avec cette sonde? Je sais pas, écoutez. Quoi? On n'envoie pas une sonde comme une lettre à la poste, vous savez. J'aimerais simplement savoir ce qui a pu flancher. C'est difficile à dire. Monsieur Johnson? Oui. C'est peut-être le timbre qui est décollé? Croyez-vous qu'il y ait espoir? Je peux même pas le savoir. À moins qu'on ait pas écrit la bonne adresse sur le fuselage. C'est inquiétant. Je vous le fais pas dire, merci. On a peut-être mal léché le panneau hermétique. Si on échoue avec cette mission, la société japonaise qui veut mettre en orbite son satellite en juillet ne va plus nous faire confiance. Non, ils vont pas nous faire mettre leur truc en orbite. Voilà, ils vont plutôt nous mettre leur bite dans le truc. Je vais prendre un renseignement. Observatoire? Darnadier, on a un problème de contact avec Odyssée. Allons bon. Attendez-moi un instant. Allô? Chérie? Oui, mon petit pot. Tu vas pas oublier d'aller à la pharmacie pour moi? Non, mon petit pot de cou. À plus tard. Doudoubou. Bon, excusez-moi, j'étais avec ma femme au téléphone et je dois aller à la pharmacie. D'accord. Dites-moi, il y a quelle distance entre Mars et le Soleil? Il y a 230 millions de kilomètres. Alors, il y a pas de danger d'être attiré dans l'orbite solaire? Ça dépend à quelle pharmacie vous allez. C'est de la sonde que je parle. Ah non, aucun danger. Merci. Bon, il reste plus qu'à la retrouver. C'est facile à dire. Je peux pas croire qu'on ait perdu toute trace de cette sonde. Bah, si ça vous intéresse, on a encore la trace du décollage. Non, c'est une blague, non. Ne me faites pas avaler ce music box. Tiens. Allez. Bon, c'est bien rentré? Bon, où en étais-je? Grizzet. Ouais. Croyez-vous que c'est seulement un problème de communication? C'est probablement le putain de relais. Pardon? Putain de relais.
Qu'est-ce que vous dites ? Oh, toujours le problème avec ce putain de relais. Voulez-vous articuler, s'il vous plaît ? Le putain de relais ! Ah, le putain de relais, vous parlez du relais. Ouais. C'est ça qui marche pas. Ah ! Attendez, je vais essayer de synthoniser une chaîne de télé canadienne. Ouais. Pour vérifier si le satellite fonctionne. La grève serait inévitable. Ça marche. Par ailleurs, nous apprenons en dernière heure qu'on aurait perdu le contact avec la sonde Odyssée. Quoi ? Avant d'apprendre cette nouvelle. Qui a divulgué ça à la presse ? C'est pas moi. Grizzet, est-ce que vous avez parlé à quelqu'un ? Non, j'ai pas parlé à personne. Vous êtes sûr ? Ouais. Il s'agirait d'un problème de putain de relais. À personne, dites-vous. Ouvrez grand. C'est malin, Johnson, ça c'était mon music box. Slippled it. Oui. Venez ici. J'arrive. J'allais téléphoner à la presse internationale et leur dire exactement ce que je vous dicte. D'accord. Presse internationale. Bonjour, ici c'est l'agence spatiale NSF. Je vous écoute. C'est pour une mise à jour au sujet de la sonde. Pour une mise à jour au sujet de la sonde. Nous l'estimons à proximité de son point d'arrivée. Justement, les prostituées sont sur le point d'arrivée. Nous ne pouvons tout confirmer à l'heure qu'il est. Nous pouvons tout filmer sous leur gilet. Bon, raccroche ça. Quoi, c'était pas bien ? C'est tout ce que t'as comme. Ouais, c'est mon Walkman. Blap it. Ouais. Tu veux bien aller en face acheter une chaîne, Ify ? Les 2 minutes du peuple.